2 heures. C'est-à-dire que je suis au-dessus du Puy de Dôme, plus ou moins. Je devrais normalement rejoindre, si tout va bien, la gare du Panoramique du Dôme. En faisant le tour du sommet qui culmine clairement à 1465 mètres. Effectivement, une petite bruine s'installe. Voilà, j'adore ce terrain, j'adore ce chemin. Un petit peu humide comme ça, gadouilleux là. Juste ce qu'il faut pour rouler dans la boue, tout en pouvant avancer correctement. Ah, effectivement là. Et bonjour. Bonjour. Et bonjour. Bonjour. En fait, la bruine, vu l'altimétrie et la température, c'est ni plus ni moins que de la neige fondue. Bien. Je ne suis pas très très clair là. Tu vois? Ah, c'est de neige, ça y est. 1000 mètres.
qu'il est chapeauté. On va le voir d'ici un moment. Bien le chapeau du puits de Dôme là. On voit bien qu'il est là, mais il est là. Donc voilà, là je vais rejoindre donc la gare basse du panoramique des Dômes. Ah ouais, j'ai eu droit, mais petit flocon de neige. Voilà, je vous laisse pendant un moment et je vous dis à tout à l'heure. Et voilà, j'arrive d'ici quelques dizaines de secondes à la gare du panoramique des Dômes. Et m'y voici, une fois de plus. Donc voilà notre brave puits de Dôme qui s'est un peu découvert. Et donc avec le soleil sur sa façade sud, et ben on voit bien la neige vraiment tout en haut à 1003 à peu près. Voilà, ça fait un petit moment que j'attends le panoramique des Dômes, mais ça est pas là. Il était là, puis pouf, il est disparu. Non, je l'ai pas vu en fait, donc du coup, c'est pas très grave. Je vais quand même descendre parce que là, si je me refroidis trop, ça ne va pas aller comme je veux tout à l'heure. Et je ne suis pas encore rentré, donc voilà. Donc, encore une fois sur ce site magnifique, avec un temps honorable, on va dire, pour voir l'altitude à laquelle nous sommes. Et puis voilà, c'est parti. Donc, direction la descente. C'est parti, je vais descendre doucement, normalement plus ou moins direction le golfe de... C'est ça, enfin le golfe de... d'Orcine, voilà, c'est le nom.
confondre avec le golfe de Charade, bien sûr. Voilà, de trouver ce chemin-là, c'est aussi partie d'une première. J'espère pas une première glissade. Bon, là j'ai eu un peu au feeling. Mais bon, il faut bien aller. Dans ce sens-là, ça ne peut que plus ou moins rejoindre la plaine. Voilà, il est 13h30. Voilà, je longe donc le golfe d'Orcine, appelé le golfe des volcans. Magnifique. Sur les différents dômes, magnifique. Vraiment un régal. Bonjour. Je crois que je remonte un tantinet. C'est pas très grave. Alors. De plus, il m'a semblé voir un arbre au milieu du chemin. Oh.
Et voici l'entrée du golfe.